All right, praise the Lord! Praise the Lord! Louons le Seigneur. Well, good morning, everybody. Good morning. Bonjour à tous. Well, good morning to you, those of you who are on Facebook. Bonjour à tous à vous qui êtes connectés sur Facebook. Good morning to those of you who are on the telephone lines who are joining us this morning. Bonjour à vous qui êtes connectés sur votre ligne téléphonique et qui nous rejoignez ce matin. And to everyone who is on Zoom, praise the Lord. Et à tout le monde qui est sur Zoom, louons le Seigneur. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Welcome to another week of, uh, online service. Bienvenue online. pour une autre semaine de l'Église oh. en ligne. So et Lord before a time of prayer. Donc avant de commencer, nous allons aller devant le Seigneur pour un moment dans la prière. Allons dans la présence du Seigneur pour un moment de prière. Notre écriture, écriture pardon, est tirée de 1 Timothée au chapitre 2, Verse au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. he says for this is good and acceptable in the sight of god our saviour who desires that all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. cela est bon et agréable devant dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. hallelujah and then in verse eight he says i desire therefore that men pray everywhere lifting up holy hands without wrath and doubting. Verset 8 dit Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien sûr, cela inclut les femmes, les hommes et les femmes qui prient en tout lieu. Donc allons ce matin devant le Seigneur dans la prière. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous t'honorons, nous te bénissons. For this is the day which you have made and we will rejoice and be glad in it. Car c'est le jour que tu as fait et nous allons nous réjouir en ce jour. And we come boldly to your throne of grace where we obtain mercy and we find grace to help us at any time of need. Et nous venons avec assurance devant ton trône de grâce où nous trouverons la miséricorde et la grâce dont nous avons besoin en temps de besoin. Seigneur, tu es digne et tu es digne d'être loué. Nous te donnons toute la gloire et la louange. Merci Père pour le souffle de vie dans nos poumons ce matin. We thank you for keeping us, we thank you for guiding, protecting us in the name of Jesus. Merci parce que tu nous gardes, tu nous guides et tu nous protèges au nom de Jésus. Father, we thank you for all that you have given to us that pertain to life and godliness. Merci Père, nous te remercions parce que tu nous as donné tous ceux qui uh, pourvoient à la vie et à la piété. Hallelujah. We thank you, Father God, that, that your, your 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 word leads and guides us. Nous te remercions, Père, parce que ta parole nous guide et nous dirige. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons cette opportunité d'entendre et de recevoir ta parole. Father, as we pray this morning for all all those who are in authority, we pray for natural authorities, authority right now in the name of Jesus. Et père, nous prions pour ceux qui sont élevés en autorité, ceux qui sont qui ont l'autorité naturelle. We pray for all governments and all leaders and all presidents and prime ministers in the name of Jesus. Nous prions pour tous les gouvernements, les premiers ministres, les présidents, nom de Jésus. We pray for your wisdom, knowledge, and understanding. Nous prions pour ta sagesse, ta connaissance et ton intelligence. We pray for godly counsel. Nous prions pour des conseils pieux. Divine knowledge and wisdom. La connaissance et la sagesse divine. Pour conduire nos dirigeants au nom de Jésus. We pray for righteousness to prevail in their Nous prions que la justice puisse prévaloir dans les gouvernements. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour tous les dirigeants spirituels nous prions pour tous les dirigeants spirituels. Nous prions pour les dirigeants spirituels dans le corps de Christ. Que tu puisses leur donner la sagesse l'intelligence divine pour conduire ton église. Afin qu'ils puissent bien conduire leur église locale au nom puissant de Jésus. May they be led by the Spirit of God qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu in all their dans tout ce qu'ils entreprennent. Hallelujah. We pray for our God. Nous prions pour nos, nos dirigeants spirituels, Nous prions pour tous ceux qui sont connectés à notre Église à travers le monde et toutes les Églises à travers le monde, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour la parole que nous et recevoir aujourd'hui.

Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lanterne sur notre sentier. Que nous puissions avoir des oreilles pour entendre et des cœurs pour recevoir avec sagesse et intelligence. May your will be done today in our lives que ta volonté soit accomplie aujourd'hui dans as nos you vies. Speak to us, God, comme tu nous parles, Père. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And Father, we pray for our world. Et Père, nous prions pour notre monde. Hallelujah. we pray, Father God, against the coronavirus. Nous prions contre le coronavirus. We continue to stand that, Father God, it would leave, it would disappear, it would go in the name of Jesus. Nous nous tenons et nous croyons qu'il va disparaître et partir au nom de Jésus. And we pray for all those whose lives have been affected by this. Et nous prions pour tous ceux dont la vie a été affectée par cela. We continue to pray for those who have lost loved ones. Nous continuons à prier pour ceux qui ont perdu euh, des bien-aimés. Que tu puisses réconforter leurs familles. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence puisse garder leur cœur et leurs pensées. Et Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont en première ligne. Nous continuons à prier pour tous les docteurs et les nous continuons à prier pour les docteurs et les infirmières. Well in nous prions pour leur bien-être et qu'ils soient sains et we pray for for them Nous prions pour la protection divine pour eux. In the mighty name of Jesus. En nom puissant de Jésus. Et donc, Père, nous te bénissons et nous glorifions ton nom. Parce que c'est l'assurance que nous avons en toi. that if we ask you anything according to your will and your word you hear us and so since we know you've heard us this morning and you always hear us we lift our voices to give you all the praise and glory Nous nous élevons nos voix pour te donner toute la louange et la May gloire. Continue to be done in our lives Que ta volonté soit toujours accomplie dans nos vies. Que nous continuions à expérimenter la restauration cette année, Père. In the name of Jesus, we have Au nom de Jésus, nous avons prié. And everybody said, amen, amen, et amen. tout le monde dit ⁇ Amen ⁇ right, so go um, Et donc, nous allons avoir un petit moment de louange et d'adoration. Sentez-vous libre d'adorer le Seigneur là où vous êtes? Que la présence de Dieu remplisse votre maison aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. So donc, les sœurs Olivia et Kathleen vont nous uh, conduire aujourd'hui. Louons le Seigneur. Amen. <laughs> Alléluia. Amen. Good morning, Parole de Vie. Bonjour, Parole de Vie. On va commencer dans un temps de prière et d'adoration. Donc, je vous invite à célébrer Notre Seigneur. Euh, so I invite you to celebrate the Lord with us. Amen. Amen. Hallelujah. We give you all the glory. Hey. Alléluia. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, Seigneur. Seigneur, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant, oh. si ce n'était pas. Si ce n'était pas ton amour, ni par ta grâce, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Si ce n'était pas, si pas ton amour, ni par ta grâce, par grâce je ne sais pas, pas où je serais aujourd'hui. Seigneur, Seigneur du Puissant. Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es puissant. Si ce n'était, si ce n'était pas ton amour, ni par ta grâce, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Si ce n'était. Si ce n'était pas ton ami par, par ta grâce, je ne sais pas, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Vous montez avec nous encore une fois? Oui. Seigneur, Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, Seigneur. Seigneur, tu es puissant. Si ce n'était, si ce n'était pas ton amour ni par ta grâce, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Si ce n'était si ce n'était pas ton amour, ni par ta grâce, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Alors, le Seigneur, avec tes propres mots ce matin, nous déclarons que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux. Il nous a réveillés ce matin et il nous fait grâce encore de, de voir le jour ce matin. Alors, nous allons adorer notre Seigneur. Nous le remercions de tout notre cœur. Gloire à toi Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Dans tu es puissant. 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 You are, a star, you are a star. Yeah, yeah. Yeah, are you are awesome you are awesome you are awesome you are you are you are my you are awesome you you are you are you you are awesome You are awesome, you are awesome, yeah, yeah, you are awesome, yeah, yeah, you are awesome, you are awesome, you are awesome, you are awesome. hallelujah. Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous voulons proclamer à quel point tu es grand pour nos vies. Seigneur, tu es riche en amour, tu es riche en bonté. Et tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta glace. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures. Donne espoir. À tous les cœurs brisés, Dieu, tu es grand, tu, tu nous, nous donnes nous la vie. vie. Voici notre louange, notre louange, mmh. tu nous donnes mmh. la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oh, oh, oh. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Nous chantons que tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restes donne espoir. À tous les cœurs brisés. Seigneur. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi. Seul tu nous donnes ne la vie. Voici notre louange, notre louange tu nous donnes ne la vie. Voici notre louange pour toi. Seul. Toute la terre louera son nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Nous chantons toute la terre. Et toute la terre louera son nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. God, you are and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, and souls will sing. Great, where are you, Lord? It's your praise. It's your praise. In our lives, so we put our praise. We put our praise, it's your praise. In our lives, so we put our praise. You all its your praise. In our lives, so we put our praise. We pour our praise, it's your praise. you only do you only you why only, you you only hallelujah thank you jesus, thank you, jesus. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Come on, let's just continue to praise the Lord wherever you are right now. Uh, let me get my translator back on. There we go. Hallelujah. Amen. Amen. <laughs> Glory <laughs> to God. Hallelujah hallelujah Lord, we give you praise and glory and honor seigneur nous te donnons la louange la gloire ah. et l'honneur hallelujah we thank you for your breath that is in our lungs today merci pour ton souffle qui est dans nos poumons en ce jour hallelujah for it is in you we live it is in you we have all of our being Parce qu'en toi nous vivons, en toi nous contenons tout notre être. Louons le Seigneur, en lui nous sommes, nous avons tout notre être. C'est son souffle dans nos poumons. And so we him, we him today. Donc nous le glorifions, nous le louons aujourd'hui. Le Seigneur est bon, Amen. Le Seigneur est bon, amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Dieu est bon, Alléluia, we thank you for your goodness in our life today. Père, nous te remercions pour ta bonté dans notre vie aujourd'hui. No matter what we're facing or going through, we declare that you are good. Peu importe ce que nous traversons, nous déclarons que tu es bon. And your mercies they endure forever. Et tes miséricordes durent à toujours. On, right Donnez Lord la louange Lord. à Dieu là où vous êtes là maintenant. Pour sa bonté dans votre vie. Hallelujah. Hallelujah. Pour sa miséricorde dans votre vie. Pour sa bonté. Glory to God, hallelujah. Gloire à Dieu, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Je suis sûr que vous avez été bénis par ce moment d'adoration. Lovely harmonies by the sisters, amen. The belles harmonies morning. de la part des sœurs, de And les bénir. We bénisseurs. appreciate them this morning. Glory Nous to God. Nous les avons vraiment appréciés ce matin. Hallelujah. Well, let's go before the Lord for a time of prayer. Nous allons devant le Seigneur pour un moment dans la prière. Nous allons directement dans la parole. So, Father, Père, nous te remercions pour ce jour. You, God, Merci pour la parole que nous sommes prêts de recevoir. Nous prions que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Et nos ouverts pour ta parole. que nos oreilles soient ouvertes pour entendre ta parole. Lord, speak to us today. Seigneur, parle-nous en ce jour. May we, may we be enriched by your word today. Que nous soyons enrichis par ta parole aujourd'hui. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. May faith come by, come by hearing your word today. Que la foi vienne en entendant ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And Father, we make a, a, a covenant right now that you alone shall receive all of the praise and all of the glory. Et Père, nous faisons alliance aujourd'hui que toi seul recevras la louange et la gloire. Awesome son, Jesus, Amen. Au nom magnifique Amen. de ton fils Jésus, nous avons prié, Amen. à Amen. Nous avons été bénis ici à Parole de Vie. La semaine dernière, nous avons été bénis par Ministre Bim à la Fête des Mères a partagé une parole merveilleuse avec nous Amen. et nous avons eu de très bons services au milieu de semaine And there's more to come for this month. Hallelujah. et il y a beaucoup plus à venir pour ce mois il well, uh, y a deux semaines nous avons commencé une nouvelle série donc un nouveau sujet qui est la crainte du Seigneur et donc ce sera la deuxième partie de ce message et donc, ceci, c'est la partie 2 de ce message. So Psalm 25, Et donc, 14. nous allons uh, donc uh, au psaume 25, verset 14. Psalm 25, verse 14 is our main text. Et donc, uh, c'est notre texte principal, le psaume 25, verset 14. Et nous parlons de la crainte du Seigneur. Hallelujah. And so in Psalm 25 verse 14 it says Dans le psaume 25 verset 14 il est écrit, It says the secret of the Lord is with those who fear him and he will show them his covenant Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent il leur fait connaître son alliance The secret of the Lord is with those who fear him and he will show them his covenant La version lui second dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. The word means donc en anglais on utilise le mot secret en français l'amitié et cela veut dire l'intimité. Amen. Et donc l'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il leur montrera son alliance. The New says it this way. La version uh, New Living dit ceci. Le Seigneur est un ami à ceux qui le craignent. He teaches them his covenant. Il leur enseigne son alliance. I mean, C'est une bonne traduction, n'est-ce pas? The God Seigneur. is a friend to those who fear him and he will teach them his covenant. Dieu est l'ami de ceux qui le craignent et il leur enseignera uh, son alliance. A couple more translations and, we, and then we'll move on. The Amplified says La version amplifiée dit ceci It says the secret of the wise counsel of the Lord uh, Le secret, the secret du conseil sage du Seigneur is for those who fear him et pour ceux qui le craignent. Et il va leur faire connaître son alliance et leur révéler. His word, it's deep in uh, donc, il va leur révéler au travers de sa parole sa signification profonde. I'll read one more time. The Je vais of the la relire. Wise counsel of the Lord. Donc, le secret du conseil sage du Seigneur. Is is for those who fear him. Et pour ceux qui le craignent. Now, for those who fear the Lord, we will receive God's wise counsel. Et donc pour nous qui craignons le Seigneur, nous allons recevoir son conseil sage. And He will let them know His covenant. Et il va leur faire connaître son alliance. He will let them know His promises. Et il va leur faire connaître ses promesses. And reveal to them through His word its deeper. Meaning. Et va leur révéler au travers de sa parole euh, sa signification profonde. Combien d'entre vous vous savez que nous avons besoin du conseil du Seigneur? The wise of God on a daily basis. Le conseil sage du Seigneur, nous en avons besoin tous les jours. Especially in the times we're living right now, you need the wise counsel of the Lord. Spécialement dans les moments que nous vivons, nous avons besoin du conseil sage du Seigneur. You need the to be your counsel, not man. Vous avez besoin que le Seigneur soit votre conseiller, pas l'homme. Vous avez besoin que l'Esprit Saint soit votre sage conseiller. And not only that God will reveal to us through His Word the deeper meaning of His covenant. Et non seulement cela, Dieu va euh, nous révéler la signification profonde interne de son alliance. Oh praise the Lord. Hallelujah. And one more time the, the message Bible. Et donc nous allons voir uh, la version uh, message. And it says God's friendship is for God's Et uh, il est écrit donc que l'amitié de Dieu est pour ceux qui adorent Dieu. God's friendship is for God worshipers. L'amitié de Dieu est pour les adorateurs de Dieu. That reminds me of the song, you know, I am a friend of God. Cela me rappelle ce cantique qui dit, je suis un ami de Dieu. Amen. A friend of God is a worshipper of God. Un ami de Dieu est un adorateur de Dieu. And then he says, they are the ones he confides in. Uh, Pastor confines? Confides. they're the one he... Um, Uh, he, he, he takes counsel with. Et donc uh, c'est, um, let me check. Uh, uh, donc yeah. uh, c'est uh, ceux à qui il donne son conseil. Amen. Or we could say they are the Ce ones. Ceux à qui he... il se confie. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And so God, God friendship is for God worshipers Et donc l'amitié de Dieu est pour les adorateurs de Dieu. And so, right from this um, our main text, we can already see the benefits of of, of fearing the Lord. Et donc, en lisant ce texte, nous pouvons voir les bénéfices que l'on retire lorsque l'on craint le Seigneur. And we're going to look at more benefit later on today. Nous allons regarder à plus de bénéfices plus tard aujourd'hui. If you are a person who fears God, God would teach you His ways. Si vous êtes une personne qui craint le Seigneur, Dieu va vous enseigner Ses voies. He will give a deeper meaning of His covenant and His promises. Il va vous donner une uh, compréhension profonde de son alliance, de ses promesses. Hallelujah, amen. Et donc nous avons uh, commencé cette série en disant que nous devons avoir une crainte saine uh, et sainte du Seigneur. Yep, Hallelujah, and a reverence for the Lord. Et que nous devons révéler le Seigneur. We mentioned that there's a slight difference between having a, a, a just healthy fear for God. Et donc, nous avons vu And also having a reverence for God. Et Dieu. Because many times when you talk about the fear of the Lord, um, it, is, it is interchangeable with interchange with the word reverence. Et donc souvent, lorsque l'on parle de la crainte du Seigneur, on peut interchanger avec le mot révéré ». Et on a dit qu'il n'y a rien de mal à craindre le Seigneur. Amen. To fear the Lord doesn't mean we are afraid of Him and you know uh, like God is some kind of monster or, or an evil person. Craindre le Seigneur, cela ne veut pas dire que l'on a peur de lui, comme si Dieu était un monstre, euh, quelqu'un de mauvais. Mais nous devons avoir une crainte saine de Dieu. Et la Bible en parle et clarifie cela. Et nous avons vu uh, que le mot crainte veut dire seulement crainte. Cela veut dire une uh, crainte qui est juste. So there's a right fear that we should have for God. Et donc nous devons avoir une crainte juste pour Dieu. We should not be afraid of Him um, because He is our Father. Nous ne devons pas avoir peur de lui parce qu'il est notre père. And we should not be afraid of him because we believe that or we think that God is going to judge us. Et nous ne devons pas avoir peur parce que nous croyons que Dieu veut nous juger. Or if He condemn us. Or qu'il veut nous condamner. But there needs to be a right, just fear towards Him. Mais nous devons éprouver une crainte juste envers lui. The Greek word for fear, comes from the word Et le mot grec pour crainte ou peur vient du mot phobia. Sorry, it's the other way around. The English word phobia comes from the Greek word um, phobos. Pardon, c'est l'inverse. Donc le mot uh, anglais phobie, français phobie, vient du grec phobos. And that also means to fear, to put into fear. Et cela veut dire également avoir la crainte, avoir peur. Hallelujah. Et donc, nous avons euh, décrit le mot respect, révérence. To reverence means to respect, to honor, Révérer veut dire respecter, honorer, to worship, to admire, adorer, admirer and to be in awe of. et être euh, dans l'admiration de. Et donc nous devons craindre le Seigneur et le révérer. Like J'aime cette dé définition que j'ai donnée la dernière fois du uh, dictionnaire Webster. It defines the fear of the Lord. Cela euh, définit la crainte du Seigneur. and it says the fear of the lord is a holy awe or reverence of god uh, la crainte du seigneur est une révérence sainte du seigneur and his laws et de ses lois également amen and so if we say that we fear god that we should have a reverence also for the laws or for the word of god et donc si nous disons que nous craignons dieu nous devons révérer uh, sa loi et sa parole and it says, which springs from a just view and real love for him. Uh, can you please repeat? Yep. It? Which springs from a just view and real love for him. Et donc cela sort d'une vue parfaite et d'un amour parfait que l'on a pour lui. The fear of the Lord comes from um, having the uh, the right perception of God. La crainte de Dieu uh, vient du fait qu'on a une perception juste de Dieu. And also a real love for God. Et également un amour réel pour Dieu. When you love God or when you love somebody, you you will reverence them, you will honor them, you will respect them. Lorsque vous aimez, uh, vous vous le respectez. And it goes on to say, leading us to hate and shun everything that can offend such a holy being. Oh, that's, that's too long. <laughs> <laughs> okay. Sorry. Alright, no problem, I'll slow down. Leading us to hate and shun everything. Et donc cela nous conduit à haïr euh, et à éviter toute chose. That can offend such a holy being. Qui peut euh, offenser un être si saint. Hallelujah. In other words, when you fear God, when you have the fear of the Lord. En d'autres termes, lorsque vous avez la crainte du Seigneur. You hate and you uh, you shun. Everything that will offend God. Vous haïssez et vous euh, euh, retirez, euh, vous mettez de côté tout ce qui peut offenser Dieu. Everything that His word, um, 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 stops us from doing or tells us not to do. Tout ce que Sa parole nous dit de ne pas faire, tout ce que Sa parole nous interdit. You get away from it. Vous vous éloignez de cela. Hallelujah. And lastly. inclining us to aim at perfect obedience. Et the euh, dernier point c'est que cela nous pousse à rentrer dans une obéissance parfaite. Amen. Amen. We, we should aim to um, to obey the word of God. Nous devons avoir comme objectif d'obéir à la parole de Dieu. Always aiming to do the word of God. Toujours obéir, de mettre la parole de Dieu, pardon, toujours to, avoir pour but de mettre la parole de Dieu en pratique. To demonstrate our fear and reverence for him. Pour démontrer notre crainte et la révérence que nous avons pour lui. 8, verse 13, we at this last time. Et donc, la dernière fois, nous avons regardé au proverbe 8. Donc, au proverbe 8, verset 13. So when you fear God, you will hate evil. Qui dit que la crainte de l'Éternel c'est la haine du c'est la haine du mal. To hate pride. Et donc vous haïssez le mal, vous haïssez l'orgueil. Vous haïssez l'arrogance. Et les mauvaises voix et, um, et la bouche mouth. perverse, la bouche Hallelujah. perverse. Alléluia. Amen. Et donc, la crainte de l'Éternel, c'est simplement haïr tout ce que Dieu est. And love what God loves. Et aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu. Si nous voulons expérimenter toutes les bénédictions et les promesses que nous trouvons dans Sa parole. Then we must hate what he hates. nous devons haïr ce qu'il est et nous devons aimer ce que Dieu aime. And, and that makes us a true of God. Et cela va faire de nous un vrai ami de Dieu a true of God. et un vrai adorateur de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. And so, the fear of the Lord et donc, la crainte de l'Éternel est une révérence pour Dieu. C'est d'une part avoir la révérence donc révérer Dieu a for God. Et avoir du respect pour Dieu An admiration for God. avoir de l'admiration pour Dieu et au même moment avoir une crainte juste et sainte de Dieu dans le sens que euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec Dieu And God is not someone to take for granted Et nous ne devons pas prendre Dieu à la légère.: He is a holy God. Il est un dieu saint and he is a just God. Et il est un dieu juste. And even though now we live in a time where we call it a time of grace. Et bien que nous vivions dans un moment de grâce where we, ex when we, where we experience um, the grace of God and the mercy of God.: ou nous expérimentons la grâce et la miséricorde de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons prendre Dieu à la légère. And live we live. Et vivre comme nous avons envie de vivre. And do whatever we do. Et faire ce que l'on a envie de faire. Parce que nous ne voyons pas ou nous ne faisons pas face aux circonstances directes. Hallelujah. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder à ce que la Bible dit concernant la crainte de l'éternel. Et les promesses qui l'accompagnent. As well as so. Également les bénéfices qu'on en retire lorsqu'on le fait. Nous allons aller dans ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste 12 verset 13. Ecclésiaste 12 verset 13. 12 13. 13, yes. 13. Alléluia. And it says here let us hear the conclusion of the whole matter. Écoutons la fin du discours. Fear God and keep his commandments. Crains Dieu et observe ses commandements. For this is the whole duty of man. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Amen. Let us hear the conclusion of the whole matter. Écoutons la fin du discours. Now here the writer of the book of Ecclesiastes. Ici uh, celui qui a écrit le livre d'Ecclésiastes, Which is Solomon? C'est Salomon. Uh, It is be that he came to the conclusion. Il est venu à cette conclusion. We know that Solomon was one of the wisest men that ever lived on this earth. Nous savons que Salomon est l'un des hommes les plus sages qui a vécu sur terre. He was a wise man. He was a blessed man. C'était un homme sage, un homme béni. He had great wisdom from God. Il avait reçu une grande sagesse de Dieu. Amen. But Solomon, at one point, you know, turned away from the the the, um, the things of God. Mais à un moment donné, Salomon s'est détourné des choses qui concernent Dieu. He turned away from the word and the and the, and the law of God. Il s'est uh, détourné de la parole et des lois de Dieu. Even though he was so wise. Malgré toute sa sagesse, il a fait des choses que Dieu lui avait dit de ne pas faire. He women that God told him not to marry. Il a épousé des femmes que Dieu lui avait dit de ne pas épouser. His heart from, away from the of God. Qui avait détourné son cœur des choses qui concernent Dieu. Mais mais sur toute sa connaissance et sur tout ce qu'il avait accompli et reçu dans sa vie, here he came to this one conclusion. Ici il arrive à cette conclusion. Amen. He came to this one fact peu importe tout ce qu'il a, il says, Let us hear the conclusion of the whole matter. Il dit écoutons la fin du discours de toute l'histoire. Um, um, Lorsque on lit le livre d'Ecclésiaste, Salomon parle de la vanité. Il parle de toutes ces richesses qui finalement ne signifient rien. Basically, if you don't have God. Si vous n'avez pas Dieu. And so he says let us hear the conclusion of the whole matter. Et donc il dit, écoutons la fin du discours. Amen. Fear God and keep his commandments. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc, à la fin de la journée, what really matters in our life ce qui a vraiment de l'importance dans notre vie, is not how much money we make, ce n'est pas euh, l'argent que nous faisons. It's not how much possessions we have. Ce ne sont pas toutes ces possessions que nous avons. And it's not even how much wisdom we have. Ce n'est même pas toute la sagesse que nous avons. What really matters is fearing God and having a relationship with God. Ce qui importe vraiment, c'est craindre Dieu et avoir une relation avec lui. This is our whole duty and this is our whole purpose in life. Cela c'est tout notre devoir et tout notre but dans cette vie. Amen to fear Amen. the Lord and keep his commandments keep his word. Craindre le Seigneur, garder ses commandements, garder sa parole. Hallelujah. Do Hallelujah. his will. Accomplir sa volonté. That is the most important thing that, um, la, in our life. C'est la chose la plus importante dans notre vie. What really matters at the end of the day is our relationship with God. Ce qui importe le plus à la fin de la journée, c'est notre relation avec Dieu. Hallelujah. And so with that in mind, let's begin to look at some of the promises and benefits that comes with fearing God. Et donc, nous allons regarder tous les bénéfices uh, et les promesses uh, que a lorsque craint le Seigneur. And, 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 and have this in mind when we talk about, again, when we talk about the fear of the Lord, we're talking about uh, having a just uh, right fear of God. Et donc sorry when we talk about the fear of the law we are talking about having a, a just and right fear for God Lorsque parle de la crainte du seigneur on parle d'avoir une peur juste et sainte de dieu a holy fear for God une crainte sainte de dieu amen and and, and and to have in mind that you know what God is not somebody we should we should take for granted or just mess around with Dieu n'est pas euh, quelqu'un que nous devons prendre à la légère et avec qui nous devons euh, nous amuser. And to also have reverence and be obedient to him. Et avoir de la révérence et lui être obéissant. Avoir de la révérence et être obéissant à sa parole. And so let's go to Proverbs chapter 1 verse 7. Et donc nous allons aller dans Proverbe 1, verset 7. We're going to stay in the book of Proverbs for 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 the next few, um, for the most part of this sermon, amen. Et donc nous allons uh, rester sur le livre de Proverbes pour la grande partie du message. Proverbe is the book of wisdom. Le Proverbe, enfin le livre des Proverbes est le livre de la sagesse. Hallelujah. Et so in Proverbs chapter 1, verse 7, it says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge." Proverbe 1, 7 dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. But fools despise wisdom and instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel ou la révérence ou l'obéissance à Dieu. It is the of et le commencement de la sagesse. The word beginning here means first in order. Commencement cela veut dire premier dans l'ordre. Cela veut dire que c'est la chose principale. Amen. The fear Amen. of the Lord is the first in order to knowledge. La crainte de l'Éternel est la première chose dans l'ordre pour la connaissance. Hallelujah. What is knowledge? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Knowledge is a clear and certain perception of, of that which exists.

Et donc la crainte du Seigneur commence avec la connaissance. But it says, Fools despise wisdom and instruction. Et donc il est dit que euh, les euh, fous méprisent l'instruction. Le mot instruction veut dire la correction. It means discipline. Cela veut dire la discipline it means chastisement cela veut dire le châtiment hallelujah amen and we don't want to be fools et nous ne voulons pas être insensés amen nobody wants to be called a fool personne ne veut être appelé insensé hallelujah we want to be wise we want to be full of wisdom nous voulons être sages et pleins de sagesse and it start with fearing god et cela commence avec la crainte de dieu Hallelujah, the new living translation of this verse says, uh, la version uh, new living, mm -hmm. translation, donc la version new living, oh ok, <laughs> it says the fear of the Lord is the foundation of true knowledge, dit que la crainte du Seigneur est le fondement de la vraie connaissance, the fear of the Lord is the foundation of true knowledge, la crainte du Seigneur est le fondement de la vraie connaissance. Glory to God. And so this verse is telling us Ce verset nous dit The first steps, the first steps to real true knowledge is fearing God. Donc la première étape pour avoir la vraie connaissance est la crainte du Seigneur. Which will also give you wisdom Cela va vous donner la sagesse and make you disciplined et euh, vous, faire que vous soyez discipliné et être capable de recevoir euh, la correction and S'il so, and so, um, no n'y a pas de crainte du Seigneur there is no in our lives, il n'y a pas de sagesse dans notre vie there is no knowledge, il n'y a pas de connaissance and no et pas de discipline glory to God amen and we as the children of god and nous en tant confiance en dieu as believers en tant que croyants must be one who demonstrates nous devons démontrer um, discipline in our lives de la discipline dans notre vie must be one who god is able to correct nous devons être uh, quelqu'un que dieu peut corriger hallelujah and that comes about ha by having fear for god Et cela commence lorsque l'on craint le Seigneur. And a reverence for his word. Et lorsque l'on réverse sa parole. Lorsqu'on obéit à sa parole et qu'on la met en pratique. Nous allons aller dans Proverbe 9, verset 10. Verse 10. Alléluia. What you find in the book of Proverbs, sometimes the words wisdom, knowledge, and understanding are used interchangeably. Parfois dans la Bible, on trouve le mot wisdom, knowledge, -hmm. and understanding. Donc que les mots sagesse, connaissance and intelligence sont parfois utilisés de manière interchangeable. Amen. And so in our verse that we, that we just read, it says, "The fear of the fear of the Lord is the beginning of knowledge." Dans le verset précédent que nous avons lu, nous avons vu que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. And now here in 9, verse 10, au Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Et donc, quand vous craignez Dieu, c'est le premier pas vers la connaissance, c'est le premier pas vers la sagesse. Lorsque vous craignez Dieu, c'est la première étape pour la connaissance, l'intelligence, la, la, la première étape pour la sagesse. C'est la première étape pour gagner de l'intelligence. So et donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. What is wisdom? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Amen. Wisdom is simply the right use or exercise of knowledge. La sagesse c'est la bonne utilisation et le bon exercice de la connaissance. Wisdom is having the right use or exercise of knowledge. La sagesse, c'est la bonne utilisation et le bon exercice de la connaissance. It is how to correctly or rightly apply what you know. Et c'est comment euh, appliquer de manière correcte ce que l'on sait. Amen. And so you can have knowledge, be full of knowledge. Donc vous pouvez être plein de connaissances. But lack wisdom. Mais manquer de sagesse. Lack the ability of uh, being able to rightly use or exercise that knowledge you have. Manquer euh, de l'habileté pour euh, utiliser et euh, exercer la connaissance que l'on a. C'est pour cela qu'on a besoin de la connaissance et de la sagesse. Even as we grow in the knowledge of the Word of God. Et comme nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, nous devons savoir euh, combien, euh, comment bien l'utiliser et comment bien l'exercer pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Amen. Are you with me this Vous me suivez ce matin? Le mot euh, sagesse pardon, en grec est Sophia. And it means insight into the true nature of things.: Et cela veut dire perception dans la vraie nature des choses.: When you have wisdom, you have insight into the true nature or understanding of how things should be. Et donc lorsque vous avez la sagesse, vous avez la bonne perception euh, des choses, comment les choses devraient être. Hallelujah. And so we, 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 we need godly wisdom in our life every day. Et donc, nous avons besoin de la sagesse divine dans notre vie chaque jour. Hallelujah, you, you need to know what to do every day. The Vous right devez savoir quoi faire chaque jour, la bonne chose à faire chaque you jour. You need godly wisdom concerning your finances. Vous avez besoin de la sagesse divine concernant you vos need finances. Godly your concernant votre famille. Hallelujah, we need godly wisdom how to raise raise children if you still have children to raise. Nous avons besoin de la sagesse divine pour savoir comment élever les enfants si vous en avez à élever you, encore. You need insight. Vous avez besoin de la perception. And that comes from reverence in God. Et cela vient lorsque vous révérez Dieu. And that comes from obeying God. Et cela vient de l'obéissance que l'on a à Dieu. Having a, a, a holy fear of God. Et avoir une crainte sainte de Dieu. Glory to God. Then I'm going to read the New Living Translation. Je vais lire donc la version New Living en anglais. If you are word of life, you should know right now, I like the New Living translation. Si vous êtes à parole de vie, vous devez savoir que j'aime beaucoup cette version de la Bible. Amen. It just, I like the way it just um, uh, um, paraphrase the scripture. J'aime bien comment il paraphrase l'écriture. It says that the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Et donc la crainte du Seigneur est le fondement de la sagesse. Amen. C'est le fondement, c'est l'étape pour devenir sage. And it says knowledge of the holy one results in good judgment. La connaissance du juste résulte dans un bon jugement. Amen. Knowledge of God leads to un bon jugement. La connaissance de Dieu conduit à avoir un bon jugement. Hallelujah. And so the, the first um, um, benefits to fearing God. Donc le premier bénéfice lorsque l'on craint Dieu. Is that it brings knowledge, it brings wisdom. Cela amène la connaissance, cela amène la sagesse. And also understanding in our lives. Et la compréhension dans notre vie. Whenever I pray, I always pray, I always pray. Chaque fois que je prie, je demande à Dieu de la sagesse et uh, de l'intelligence. Pour avoir une perception claire de ce Amen. que les choses sont. J'ai besoin d'une certaine perception de la manière dont les choses sont and then i need the wisdom to be able to apply it et j'ai besoin de la sagesse pour pouvoir l'appliquer rightly apply it to my life pour bien l'appliquer dans mon dans ma vie praise the lord all right let's go to point number two. allons au point numéro 2 what is the what what, what, what is another benefit uh, uh, for fearing the lord quel est l'autre bénéfice que l'on a lorsque l'on craint le seigneur Amen. Well, the second point, the fear of the Lord simply blesses your life. Cela bénit votre vie. The fear of the Lord will bless your life. La crainte de l'éternel va bénir votre vie. Proverbs chapter 10 verse 27. Nous allons au proverbe 10 verset chapter 10 verse 27. Donc proverbe 10 verset 27. And here it says, the fear of the Lord prolongeth Days. Donc, il est écrit La crainte de l'éternel augmente les jours. But the years of the wicked shall be shortened. Mais les années des méchants sont abrégées. The fear of the Lord days. La crainte de l'éternel augmente les jours. The word means uh, donc, en français, on dit déjà augmente the en anglais, c'est prolonger. Yes. Amen. All right, praise the Lord. And so the fear of the Lord will add more days to your life. La crainte de l'éternel augmente plus de jours dans votre vie. Will increase the days of your life. Cela va faire croître les jours dans votre vie. I mean, no, that's a good thing. Combien d'entre vous, vous savez que c'est une bonne chose? Amen. If I reverence God, if I'm obedient to God and obedient to his word, Si je rêve vers Dieu, si je suis obéissante à Dieu et à sa parole, there is a promise in his word that he will add more days to my life. Il y a une promesse dans sa parole qu'il ajoutera il augmentera les jours dans ma vie. Amen. Hallelujah. Amen. In Proverbs chapter 9 verse 11. Proverbe 9 verset 11. Praise the Lord. Louons le Seigneur. In Proverbs chapter 9 verse 11 it says Proverbs il est écrit it says, for by me your days will be multiplied and the years of life will be added to you. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si nous lisons le verset 10 que nous avons lu auparavant, il est écrit, Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Uh, um, et donc, et la science des saints, c'est l'intelligence. For by, for by C'est par moi que tes jours se multiplieront. And years of life will be added to you. Et que les années de ta vie augmenteront. Only do we when we God and non seulement euh, nous recevons euh, la sagesse et la connaissance lorsque nous craignons Dieu, mais nos jours sur cette terre sont multipliés.

10 times 10 fois Amen. Dix, ça fait 100. So Et donc la crainte du Seigneur va multiplier les jours de notre vie. And God will add more years to us. Et Dieu va nous ajouter plus d'années. In Proverbs 14 Dans Proverbe 14 verset 27. Proverbs 14 verse 27. Proverbe 14 verset 27 sept Hallelujah. It says, "The fear of the Lord is a fountain of life." La crainte de l'Éternel est une source de vie. To turn one away from the snares of death. Pour détourner des pièges de la mort. The fear of the Lord is a fountain of life. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Amen. The word "fountain" here in the Hebrew means also means happiness. Le mot source ou fontaine en hébreu veut dire aussi le bonheur. Amen. The fear of the Lord will bring happiness in your life. La crainte de l'Éternel va amener le bonheur dans votre vie. Your life will spring forth like a fountain. Votre vie va déborder comme une jaillir comme une fontaine. And it will keep you away from the traps of the snares of depths of death. Pour détourner des pièges de la mort. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alléluia. So Donc, cela paie de craindre Dieu. Cela paie d'adorer Dieu. Cela paie d'obéir à sa parole. Parce que cela va emmener euh, du bonheur, de la joie dans votre vie. Et cela va vous garder des pièges de la mort. It will keep you from dying prematurely. Cela va vous empêcher de mourir de manière prématurée. Because one word from God can save your life. Parce qu'une parole de Dieu peut sauver votre vie. Come on, one word from God. Une parole de Dieu. One Parole de Dieu, votre obéissance à Dieu. Has the ability to save your life. A la capacité de sauver votre vie. This reminds me of a story our tells. Cela euh, me rappelle l'histoire que notre évêque nous raconte toujours. il y avait un moment où il devait prendre un avion. Et il a entendu euh, la voix de Dieu qui lui dit de ne pas monter dans cet avion. Amen. Now, you know, when God to us, Parfois, lorsque Dieu nous parle. nous attendons we, we are waiting to hear the wise. Nous, euh, sommes, euh, un, nous, nous voulons entendre les pourquoi. Nous voulons demander à Dieu Mais pourquoi Dieu Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire cela God tells us why Et Dieu ne nous dit pas toujours les pourquoi avant. You hear me this morning? Vous m'entendez ce matin Dieu ne va pas toujours vous dire pourquoi vous ne devez pas faire quelque chose. Il peut le faire, il ne il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Votre travail et le mien, c'est simplement d'obéir et de faire ce qu'il nous dit de faire. Et plus tard, la plupart du temps, vous allez comprendre le pourquoi. And so our not to get on that plane. Et donc, notre évêque a décidé de ne pas monter dans cet avion. Et malheureusement, cet avion a et malheureusement, cet avion s'était écrasé. And killed everybody that was that plane. Et il a tenu, il a tué toutes les personnes qui se trouvaient dans cet avion. Et il a dit également qu'il avait des personnes avec lui. Et il leur avait dit ce qu'ils croyait avoir entendu du Seigneur. But they to go ahead. Mais and ils go ont décidé d'y aller quand même. Et ils sont l'avion et malheureusement sont et donc, euh, la personne qui est montée dans l'avion finalement est décédée. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Si vous voyagez avec quelqu'un qui est euh, un dirigeant spirituel et une autorité spirituelle, et qui vous disent qu'il ne vont pas monter dans l'avion. Peu importe votre niveau spirituel, je crois que ce serait fou de monter dans cet avion. To que tout le monde dise Amen. If I'm with the bishop, si je voyage avec l'évêque, et il me dit Je ne monte pas dans cet avion, je serai le premier à rentrer à l'hôtel. C'est comme si vous me montiez et je dis Je ne I'm pas dans cet avion et and vous allez en ahead. Et donc, euh, c'est comme si vous voyagez avec moi et moi je vous dis, je ne monte pas dans ce bus, mais vous, vous y allez. Amen. Parfois, vous devez euh, faire confiance et croire que vos autorités spirituelles entendent de Dieu. And so, his to the voice of the Lord et donc, son obéissance à la voix du Seigneur a sauvé sa euh, vie. a sauver sa vie pardon amen, amen. Save his life a sa vie. and so um, the fear of the lord et donc la crainte du seigneur will turn you away for the from the traps and the snares of death va uh, vous détourner uh, des pièges de la mort amen it will amen. deliver you from the plans and schemes that satan is 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 is, is um building towards you or against you Va vous délivrer de tous les plans et de tout ce que Satan imagine contre vous. Glory to God. Gloire à Dieu. Alléluia. Let's go to Proverbs 19: verse 23. Allons dans Proverbe 19, verset 23. We're still on this point that the fear of the Lord will bless your life. Uh, nous sommes toujours sur ce point qui dit que la crainte du Seigneur va bénir votre vie. And so Proverbs 19, verse 23, it says, The fear of the Lord tendeth to life. 19, La crainte de l'éternel mène à la vie. And he that have it shall abide satisfied. Et l'on passe la nuit rassasié. He shall not be visited with evil. Sans être visité par le malheur. The fear of the Lord leads to life. La crainte de l'éternel mène à la vie. And the Bible says, And those who have it, They shall abide satisfied. Et la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel vont passer la nuit rassasiés. In other words, they shall be full of life. En d'autres termes, ils seront pleins de vie. Amen. When you fear God you will be full of life. Lorsque vous craignez Dieu, vous serez plein de vie. One, one translation said you will live life to the full. Une traduction dit que vous, euh, vous vivrez, vous mènerez votre vie dans sa plénitude. I want to live life to the full. Je veux euh, mener une vie dans toute sa plénitude. Je veux accomplir tous les jours de ma vie. Et il dit euh, sans être visité par le malheur. You will not be visited with evil when you obey and fear God. Vous ne serez pas visité uh, par le malheur parce que vous obéissez à Dieu et que vous le craignez. One translation says the fear of the Lord gives you a life of satisfaction and protection. Une traduction dit que la crainte uh, de l'Éternel vous donne a life of satisfaction. satisfaction and protection. Vous donne une vie de satisfaction et de protection. Someone say I'll take that hallelujah. Dites, je prends cela. Alléluia. I a life of je reçois cela, une vie de satisfaction et de protection. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Proverbe 22, verset 4. Verse 4. Hallelujah. Are you being blessed Hallelujah. This morning? Vous Is êtes you béni ce someone? matin? Est-ce que vous êtes béni ce matin? Je sais que je ne peux pas vous entendre tous, mais priez au Seigneur. Je ne peux pas vous entendre tous, mais uh, si uh, cela vous bénit, bénissez le Seigneur. Hallelujah. Proverbes vingt-deux, verset quatre, il dit :« Par l'humilité et la crainte du Seigneur, la richesse, l'honneur et la vie. » Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Par l'humilité. Le fruit de l'humilité. Par être humble. Lorsque vous êtes humble. Amen. You know to To fear God and to obey his word and to reverence him. Craindre Dieu, uh, obéir Dieu, le respecter. Amen. It's, 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 um, having, it's by having an, uh, an attitude of humility. C'est avoir une attitude d'humilité. Those who are truly humble obey and fear God. Ceux qui sont vraiment humbles obéissent et craignent Dieu. Amen. They have a just, holy fear of God. Ils ont une crainte sainte et juste de Dieu. Et la Bible dit que cela donne la richesse et l'honneur. Riches Dites richesse et honneur. Et la vie. Amen. When you fear God, Lorsque vous craignez Dieu. With true humility, avec la vraie humilité. Amen. You will be blessed. Vous serez béni. Votre maison sera your bénie. Finances will be blessed. Vos finances seront bénies. Amen. You will have the honor of God Vous aurez les honneurs de Dieu. On your life. Dans votre vie. In Jesus name. Au nom de Jésus. One more. Let's go to Psalm. Now let's go to Psalm 128. Allons dans Psaume 128. Um, this this here we're gonna this this psalm blessed me last night when I read it. Amen. Psalm 128, and we're gonna read from um, verses one to six the, the whole Et nous allons lire du verset 1 au verset six. Hallelujah. And so it says blessed is everyone who fears the Lord. Heureux tout homme qui craint Amen. Blessed is everyone who fears the Lord. Heureux ou béni tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Says, hands, tu jouis alors du travail de tes mains, you be happy. tu es heureux, et well Tu prospères. ce verset est bon pour les les mari, ceux qui sont mariés. Voilà que ça est the same to his for those for the wives too. Amen. Et c'est également bon pour les épouses. It says your wife shall be like a fruitful vine. Ta femme est comme une vigne féconde. In the very heart of your house. Dans l'intérieur de ta maison. Your children like olive plants all around your table. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Behold, thou, behold, thou shall the man be blessed who fears the Lord. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Vous entendez les, les hommes, les maris, vous entendez? Amen. The Bible says that when you fear God, La Bible dit que lorsque vous craignez Dieu, votre épouse sera comme une vigne féconde, pleine de fruits, et vos enfants, comme les autour de votre table. Et vos enfants seront comme des plants d'olivier autour de la table. Hallelujah. And ladies, the same could be said for you too. Hallelujah. Les dames, la même chose peut être dite pour vous. When you fear the Lord. Lorsque vous craignez le Seigneur. And then verse 5, it says, the Lord bless you out of Zion. Cinq, l'Éternel te bénira de Sion. And may you see the good of Jerusalem. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. All the days of your life. Tous les jours de ta vie. Amen. Now you know we, we don't live in Jerusalem. We don't live in Israel. Nous ne vivons pas à Jérusalem, ni en Hallelujah! But, but wherever you are, wherever you are located, wherever you live. Amen. The Lord will bless you. Le Seigneur vous bénira. The Lord will bless you if you live in Brussels. Le Seigneur vous bénira si vous vivez à Lord Bruxelles. Bless you if you live in Mons, or si vous vivez à Mons. If you live in London, wherever you are. Si vous vivez à Londres, peu importe où vous êtes, you fear him, parce que vous le craignez, he will bless you in your land. il vous bénira sur votre terre. Et vous ne verrez que le bien. Et donc la crainte de l'Éternel n'est pas seulement pour nous. It just bless us or to us. Elle ne nous bénit pas nous seulement ou nous apporte des bénéfices rien qu'à nous. But it brings benefits to your family. Mais elle donne des bénéfices à votre famille. It brings blessings to your spouse, your children. Elle apporte des bénéfices à votre époux, à vos enfants. Et nous pouvons même dire les enfants de vos enfants. Gloire so, à Dieu. Et donc la crainte de l'Éternel va bénir votre vie. Bring you riches and honor. Elle va vous emmener richesse et honneur. Et va rajouter des jours sur cette terre. Va multiplier les années de votre vie sur cette terre. Will cause God will you with long life. Va faire que Dieu va vous rassasier d'une longue vie. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's go to point number four. Allons au point numéro 4.

À Dieu. and so it says in the fear of the lord is strong confidence celui qui craint possède un appui ferme in the fear of the lord is strong confidence celui, uh, qui craint l'éternel possède un appui ferme. now that word confidence in the hebrew also means security and refuge in the fear of the lord is security. Dans la crainte de l'Éternel, nous trouvons la sécurité. Nous trouvons le refuge. A safe place. Amen. Un endroit en sécurité. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont un abri. A place of hope, un endroit d'espérance. And the place where they trust. Et un endroit où ils font confiance. Hallelujah. Et nous voyons ici un autre bénéfice pour nos enfants lorsque nous craignons Dieu. It us to be secure. Cela fait que nous sommes en sécurité. To have a safe que nous avons un refuge sauf. And also our children. Et également pour nos enfants. Amen. Your children will always have a shelter. Vos enfants auront toujours un refuge. Because one thing that is certain about the Lord. Parce qu'une chose qui est certaine concernant le Seigneur. He always remembers those who 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 walk uprightly before him. Il se souvient toujours de ceux qui marchent droit devant lui. And then and then blesses their children. Et il bénit ensuite leurs enfants. Amen. God Amen. always remember Remember us when we live right. Dieu se souvient toujours de nous lorsque nous marchons droit. Et à cause de la manière dont nous vivons, Dieu va bénir toutes les générations qui viendront après nous. This is, this is like C'est très vrai lorsque nous regardons quelqu'un comme David. Because of David, the way he lived, he lived towards God. À cause de la manière dont David vivait, il vivait pour Dieu. La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. And of David, and Et euh, bien sûr, David n'était pas parfait, mais à da cause de lui, David, was far from perfect. David était loin d'être parfait. But his heart was to and turn to God. Mais il avait toujours dans son cœur de se repentir et de se retourner vers Dieu. Et à cause de la manière dont il vit, Dieu se souvient de ses descendants. God remembered the, the generations that came after David. Dieu se souvient de toutes les générations qui sont venues après David. Et on lit... Uh, à beaucoup d'endroits où la bible dit à cause de son serviteur david he provided or protected a descendant of david il a pourvu ou il a protégé un descendant de david amen and so the same is true for you et donc la même chose est, est vraie pour toi because of the way you live towards god à cause de la manière dont on vit pour dieu should christ tarry god will bless the generations after you si Jésus tarde, Dieu va bénir les générations qui viendront après nous. Remember, uh, um, your and your children of you. Il va se souvenir de vos enfants et des enfants de vos enfants à cause de vous. Certains d'entre nous, nous sommes là où nous sommes à cause de quelqu'un dans notre lignée. Sometimes à cause d'un a, a parent ou grandparent. grand Parfois à cause d'un parent, d'un grand grand-parent. D'un arrière-arrière-arrière-grand-parent qui a décidé de servir Dieu. Amen. Could be the reason why you are serving God today. Cela peut être la raison pour laquelle vous servez Dieu aujourd'hui. That you are blessed today. Que vous êtes béni aujourd'hui. That you are secure and protected today. Que vous êtes en sécurité et protégé aujourd'hui. Because God remembered that person parce que Dieu se souvient de cette personne. Amen. And when I when I when I when I think about that I always think of my 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 one person I think about is my grandfather. Et la personne à qui je pense c'est mon grand My grand my mother's father. Euh um, le père de ma mère. He was a god he was a god-fearing man. C'était un homme qui craignait Dieu. Amen. He was a, he was a, a strong devout catholic. C'était un euh, catholique qui était euh, très dévot. Amen. One of those radical Catholics. <laughs> Un de ces catholiques uh, radicaux. Amen. I mean, as far as he's concerned, there was no church apart from the Catholic church. Hallelujah. Et donc, en ce qui le concernait, il n'y avait pas d'autre église à part l'église catholique. But he loved God and he feared God. Mais il aimait Dieu et il craignait Dieu. Amen. He prayed to God. Hallelujah. Il priait Dieu. And I see that same spirit in my mom. Hallelujah. Et je vois ce même esprit dans ma mère. And I believe that's part of the reason why I am where I am today. Et je crois que euh, c'est la raison pour laquelle, une partie de la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui. Et donc euh, tous mes cousins, leur, les petits-enfants, nous sommes tous bénis. Et donc vous le devez à toute la génération suivante qui you viendra it après it vous. Vous le devez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. To live a godly life. De mener une vie uh, pieuse. To obey the word of God. D'obéir à la parole de Dieu. And have the fear of the Lord in you. Et d'avoir la crainte de Dieu en vous. Can someone say amen to that? Que l'on dise amen. Praise the Lord, hallelujah. Louons le Seigneur, hallelujah. Those who fear the Lord are secure. Euh, ceux qui craignent l'éternel sont en sécurité. This is the New Living Translation. Amen. Donc, euh, ça, euh, c'est la version euh, New Living. Those who fear the Lord are secure. Ceux qui craignent l'éternel sont en sécurité. He will be a refuge for their children. Il sera un refuge pour leurs enfants. Glory to God. There is Gloire the à Dieu. Divine protection in the fear of the Lord. Il y a la protection divine lorsque l'on craint le Seigneur

amen Certain croient que c'est le premier livre and we know that job was a, a blessed man et nous uh, savons que job était un um, homme béni you know in spite of all the troubles that he went through on dépit de tous les problèmes qu'il a eu qu'il a traversé blessed with verse 1 it says there was a man in the land of of earth whose name was job that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Job was a man, a man who uh, he was blameless. Job était un homme qui se détournait du mal. He was a man of integrity. C'était un homme d'intégrité. And the Bible says he feared God and shunned evil. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. To shun evil means to turn away from evil. Donc, il se détournait du mal. Oh, okay, all right, praise <laughs> the Lord. Okay, let's go to verse six. Allons au verset six. And it says, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan was, and Satan also came among them. or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Here he talks about the sons of God. Refers to the angels. En parlant des fils de Dieu ici, l'on parle des anges. They came to present themselves before God. Before they sont venus se présenter devant l'Éternel. And sneaky Satan um, sneaked in among them. And the Bible says, and the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth." And from walking back and forth on it l'éternel dit à satan d'où viens tu et satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener a then the lord said to satan have you considered my servant job that there is none like him on the earth a blameless and upright man one who fears god and shuns evil l'éternel dit à satan as tu remarqué mon serviteur job il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant en dieu et se détournant du mal

Mais nous pas peur de Glory Amen. to God. And so, this. Listen, listen to what the enemy said. Et voici ce que a dit. So Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God for nothing?" Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Amen. Verse 10. Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands and his possessions have increased in the land. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. And so Satan was able to see and identify the reason why uh, um, um, Job was so blessed. Satan a pu identifier la raison pour laquelle Job était tellement béni. And he knew that because Job feared the Lord so much, Et il savait que parce que Job craignait tellement l'Éternel, Dieu avait mis une protection autour de lui. Dieu avait mis protection autour de Amen. There was a hedge of protection around Job and his household. Il y, a, y avait une clôture de protection autour de Job, de Job et de toute sa famille. And I really like what verse 10 says, Have you not made a hedge around him around his household?" Regardez le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, donc n'as-tu pas mis une clôture de protection autour de lui et sa maison? And all that he has on every side. Et tout ce qui est à lui? And you have blessed the work of his hands. Et tu as béni l'œuvre de ses mains. And his possessions have increased in the land. Et ses troupeaux couvrent le pays. Why was Job protected? Pourquoi est-ce que Job était protégé? Why why was Satan not even able to first attack Job right away before uh, until God gave him permission? Pourquoi est-ce que uh, Satan n'a pas été capable d'attaquer Job là tout de suite jusqu'à ce que Dieu lui donne la permission? Amen. Satan was not able just to go and attack Job. Satan n'a pas été capable d'aller là et d'attaquer Job. Because Job feared God. Parce que Job craignait Dieu. He was a man who turned away from evil. C'était un homme qui s'est détourné du mal. C'était un homme d'intégrité. Et à cause de cela, Dieu l'a protégé. And God also blessed him. Hallelujah. Et Dieu l'a béni également. Amen. Et donc la crainte de l'Éternel va emmener la protection divine. Psaume 34 verset 7. Le Psaume 34, verset 7. It says angels the angels of the Lord surround those who fear him. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. The angel of the Lord encampeth or surround around those that fear him. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. And delivers them. Et il les arrache du danger. Amen. And so if you want divine uh, angelic uh, uh, um intervention in your life Et donc c'est le psaume 34, 8 en français. Donc si vous voulez in une intervention divine dans votre vie, Amen. les anges dans votre vie. Amen. God gives angels for us for on our Dieu A donné les anges pour nous servir. And so divine angels will keep you and surround you. Et donc, les anges de Dieu vont vous garder, vous entourer. When you fear the Lord. Lorsque vous craignez l'éternel. Amen. Amen. Et donc, le psaume 91 dit qu'il va euh, donner la charge à ses, ses anges. Ils vont vous protéger afin qu'aucun mal ne vienne à vous stop you from dashing your foot against a stone that's what the Il bible even empêcher que votre pied ne cogne une pierre that's divine protection c'est la protection divine hallelujah amen lastly let's go to um, act chapter 9 our last Dernier point, point allons uh, dans acte au 9 hallelujah hallelujah And after today's message, if you don't know the benefits and the promises in fearing God, then uh, I don't know what else I can do. <laughs> Après aujourd'hui, si vous ne connaissez pas toujours les bénéfices et les bienfaits de craindre l'Eternel, ben je ne sais pas Amen. comment. Vous allez le no, we, we shouldn't just, I mean, thank God for His promises and the benefits. Dieu merci pour ses promesses et tous ses bienfaits. And we we want these in our lives. Nous voulons cela dans notre vie. Amen. But really, the, our, our our first um, reason for for fearing God and reverencing and obeying his word et la première raison pour laquelle nous devons craindre obéir révérer Dieu should come from a place of love cela devrait venir parce qu'on aime should come from a place of love for God parce qu'on aime Dieu amen love for the word of God parce qu'on éprouve de l'amour pour la parole de love Dieu for the things of God. on éprouve de l'amour pour les choses de Dieu and not just because we just want the benefits et pas seulement parce qu'on veut avoir des bienfaits. Nous voulons les bénéfices, les bienfaits, mais nous ne le voulons pas à lui. That way, amen. Ça ne fonctionne pas de cette matière, manière. Him, si vous l'avez, si vous l'aimez, vous aurez tous les bénéfices. Amen. So let's go to Acts 9. Et donc, allons dans le livre de, des Actes au chapitre 9. and we're going to look at verse 31 and glory to god glory hallelujah and our last point is the fear of the lord brings peace and our last point is the fear of the Lord brings peace it brings edification and comfort from the holy ghost Et le réconfort qui vient de l'Esprit Saint. Hallelujah. Here it says, then the churches throughout all Judea, um, Galilee, and Samaria, had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, the Holy Spirit, they were multiplied. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit. Amen. What you find that as the apostles began um, to preach the gospel, comme les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile. Amen. Especially here, specifically when when Saul or Paul went to Jerusalem, and then was received by the disciples. Lorsque Saul ou Paul est allé à Jérusalem et qu'il a été reçu par les disciples. Whom before they were afraid of, qui avaient peur de lui auparavant. Amen. But as he share the word of God and the word of God. Um, um, grew and increased and spread. Et comme il a partagé la parole, que la parole de Dieu s'est vraiment étendue. The Bible says, Then the Judea. Et donc la Bible dit que uh, l'Église était en paix dans toute la Judée. Had peace. La Galilée, la Samarie. Et donc elles s'édifiaient, elles se construisaient. They were walking in the fear of the Lord. Et il marchait dans la crainte du Seigneur. And then also in the of the Holy et dans l'assistance, le réconfort de l'Esprit Saint. La crainte du Seigneur va vous donner euh, et vous apporter la paix. Peace from his word. La paix qui vient de Sa parole. It will cause you to be edified, built up. Elle va faire que vous serez édifiés, construits. and to have the comfort of the holy spirit Et vous donnez le réconfort l'assistance saint -Esprit. glory to god hallelujah Gloire à Dieu. and my last verse i promise is psalm 9 psalm 39 psalm 39 verse 19 Et donc, mon dernier verset, uh, je promets, psalm, 39, 19. psalm 39 verse 19 and it says there is goodness laid up for those who fear god uh, sorry, Pastor. Psalm thirty-nine, verse nineteen. Did 39. nine. Three nine, yes. Nineteen. Yes, no. Nope. Yep. <laughs> all right, maybe I got that one wrong. But there's, uh, uh, but anyway, listen to the word of God. A, there is a scripture. <laughs> maybe the guys can help me here on this. Amen. Peut-être que vous pouvez says, m anyway, à trouver le bon verset. La Bible dit. And, and it, it. it says there oh. is goodness laid up for those who fear God. Il y a de la bonté qui est donnée pour ceux qui craignent le Seigneur. There is goodness laid up for those who fear God. Il y a de la bonté pour ceux qui craignent le Seigneur. And so there is goodness laid up for you. Donc il y a la bonté qui est là pour vous. Amen. When you decide and make a decision. Lorsque vous décidez et que vous prenez la décision. That I'm going to live a life where I, 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 I have a just and holy fear of God. Je vais uh, vivre une vie où j'ai une crainte sainte de Dieu. I'm not going to take God for granted. Je ne vais pas prendre uh, Dieu à la légère. I'm not going to take His grace for granted. Je ne vais pas prendre sa grâce à la légère. Amen. Je vais le révérer, l'honorer, l'adorer. Et je vais ob être obéissant à sa volonté à, uh, et à sa parole dans ma vie. 31, Pastor. Psalm 31, thank you. Psalm 31, merci. Psalm 31, verset 19. Yes, c'est le psaume 31. Thank you. Praise et je vais vérifier en français. Amen. Um, There is goodness laid up for those who fear God. Donc le psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que Amen. tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Hallelujah. God has goodness laid up for you. Dieu a une bonté pour vous. When you walk in accordance and obedience to his word. Lorsque vous marchez en accord et dans l'obéissance avec sa parole, the world could be going one direction, one way. le monde peut suivre une direction, une voie, mais vous choisissez et décidez de suivre le Seigneur. Il n'y a pas uh, de crainte pour uh, le Seigneur dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de no, révérence pour lui dans in many parts of the world. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, on ne révère plus Dieu. Mais vous devez prendre la décision pour moi to et ma the maison. Moi et ma maison, nous allons craindre le Seigneur, adorer le Seigneur. And I'm going to fear the Lord. Nous allons craindre le Seigneur. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons finir là sur cette note. Nous allons nous arrêter ici sur cette note. Et je prie et je fais confiance que vous avez reçu et que vous êtes encouragé par cette parole. Et que le Seigneur fasse briller sa lumière dans chaque domaine de votre vie. That, so, so that you can come up Afin que vous puissiez aller encore plus haut. Dans l'obéissance à sa parole et à sa volonté pour votre vie. Vous ne devez pas courir derrière les bénédictions et derrière les promesses. They will come after you. Elles vont vous suivre. They will chase after you. Elles vont vous pourchasser. Just decide to love God and serve him. Décidez simplement d'aimer Dieu et de le servir. Amen le gospel de uh, gospel Matthieu chapitre 6 verset 36, 36 dit 6 Cherchez premièrement le royaume de Dieu Seek God first and his kingdom. Cherchez first the kingdom of God royaume His will his way his righteousness Sa volonté ses voies sa justice And all these things shall be added unto you Et toutes ces choses vous seront euh, données

Alléluia you Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Merci pour la sagesse, um, la connaissance et la compréhension, l'intelligence que nous avons reçue aujourd'hui. You, that, uh, that uh, you, Et nous te remercions, Père, que comme nous vivons pour toi. In to you, dans ton obéissance. Nous pouvons nous attendre à toutes ces bénédictions et ces promesses dans notre vie. We can wisdom, and nous pouvons nous attendre à la sagesse, la connaissance et à l'intelligence. Nous pouvons nous attendre à mener une vie bénie. We can nous pouvons nous attendre à la promesse divine. Hallelujah. We can expect peace and comfort from the Holy Ghost. Nous pouvons nous attendre à la paix et au réconfort de l'Esprit Saint. We give you all the and the glory. Nous te donnons <coughs> toute la louange et la gloire. In the name of your son. Au nom puissant de ton Fils. Amen, Amen, Amen. amen, amen. amen, amen. The Lord. Louons good. le Seigneur. Amen. bon. Merci de vous être connecté ce matin. Amen. I trust we have been blessed. Je suis sûr que nous avons été bénis. Amen. Nous voulons vous donner l'opportunité de donner ce matin. Hallelujah, amen. We believe in giving. Euh, nous croyons au fait de donner. And Jesus says in Luke 6:38. Et Jésus a dit dans Luc 6:38. Give and it shall be given unto you. Donner vous sera donné. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Une bonne mesure serait secouée qui déborde. Will men give into your bosom. Hallelujah. Que les hommes vous donneront à votre sein. God. And so we honor God with our giving. Et donc nous honorons Dieu avec nos dons. We show that we still trust him. Nous montrons que nous lui faisons toujours confiance. Amen. We trust God with our offerings. Nous faisons confiance à Dieu avec nos offrandes. Même si nous n'allons pas physiquement à l'église, cela ne nous exempte pas de donner. Et il y a certains qui disent Oui, on ne se rassemble même pas à l'église, mais uh, les leaders de l'église prennent toujours les offrandes. Combien d'entre vous vous savez que recevoir une offrande, c'est toujours la volonté de Dieu Amen. Et donc, nous toujours à la parole de Dieu avec regard à notre offrande. Et donc, euh, nous obéissons toujours à la parole de Dieu et donc nous donnons. Comme the do so. uh, the two, two do so. vous pouvez le voir sur l'écriture, il y a deux manières de... Euh, pardon, l'écriture <laughs> sur l'écran, il <laughs> y a deux manières de le faire. Vous pouvez donner par le site.

Et donc très bientôt, euh, nous pourrons donc euh, faire passer notre message en direct à partir du site, du site so web. You, so you can you can watch it via Zoom, by Facebook or by the website. Amen. Et donc vous pourrez suivre le message par Zoom, par Facebook euh, ou par le site directement. Amen. I want to make sure you have no excuse to get in the Word. <laughs> Et donc, je veux m'assurer que vous n'ayez aucune excuse pour ne pas Amen. recevoir de la parole. Amen. Et également, nous enseignons la parole à partir du téléphone. Amen. Et donc, vous pouvez uh, lire le message sur notre chaîne YouTube. Ou on sur notre page Facebook et vous pourrez regarder et écouter le message à nouveau. Ou aller sur notre page Facebook et réécouter le message. Et nous avons également nos messages sur la plateforme Soundwave. Hallelujah. Amen. Alléluia. So no Donc nous n'avons aucune excuse. And please share the word. Et s'il vous plaît, partagez la parole. Nous sommes dans la season de partager et de gospel. Nous sommes dans une saison où nous partageons l'Évangile. So if you on Facebook share the word so that somebody else might just happen to um, to come across the message and and receive from it be blessed. Et donc si vous êtes sur Facebook, vous pouvez partager le message afin que des personnes puissent tomber là-dessus et être bénies. Amen. And Amen. For those of us, you know, even when I put the message in our WhatsApp group or whatever, don't just listen to it, forward it to somebody else. Et donc même quand je poste un message sur WhatsApp par exemple ne le gardez pas pour vous vous pouvez le partager. Amen. Forward it by mistake to someone who needs <laughs> Partagez-le par, par, so, par oh, erreur it's... à quelqu'un. <laughs> Amen. I, I did that this week I forwarded a message on purpose. Et donc euh, intentionnellement cette semaine j'ai euh, euh, partagé des messages. To someone. Amen. à quelqu'un. not saved but I wanted them to hear it. Ils ne sont pas sauvés mais je veux qu'ils les entendent. Je n'ai pas eu de réponse, mais peu importe. Je sais que uh, cette parole va les bénir et les attirer à Dieu. Amen. Amen. This Amen. Wednesday, we Bible study again. Ce mercredi, nous avons de nouveau l'étude biblique. You don't want to miss this Wednesday. Amen. Ne ratez pas ce mercredi. Nous sommes bénis d'avoir le pasteur David Bluin. Nous sommes bénis pour avoir pasteur David Bluin. Well at at Ici, à l'église à Londres, nous le connaissons très bien. Il était le pasteur de parole de foi. And, uh, he's be a to us. Et il va être une bénédiction pour nous. Je suis heureux de voir que vous vous connectez les mercredis. Bible study. Et donc, uh, n'oubliez pas que ce mercredi, nous avons encore une autre étude biblique uh, spéciale. And next week, and the week after that, we have another special guest. Et la semaine prochaine, nous avons la semaine d'après, nous avons encore un autre invité spécial. So you are blessed, Word of Life. Et donc, vous êtes béni, Parole de Vie. Glory to God. Hallelujah. Don't just hear the Word; be a doer of the Word. N'entendez pas seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. And hear the word more than one time et entendez la parole plus d'une fois, to get it in your spirit. Amen. pour qu'elle puisse arriver dans votre esprit. Amen. Hallelujah. Well, praise God. Thank you for those of you who join us on Facebook. Louange en Dieu et merci pour vous qui nous avez rejoints sur Facebook. We look forward to to having you again. Amen. Nous sommes impatients d'être avec vous de nouveau. Join us for our midweek service this coming Wednesday. Rejoignez-nous pour notre service du milieu de la semaine, donc ce God mercredi. Bless you, God bless you. Que Hallelujah. Dieu vous bénisse.